Comment ça putaclic? Comment ça putaclic? Non, c'est pas du fake. Ayano peut vraiment réaliser des pranks dans Yandere Simulator. Et la connaissant, je pense que ça risque de mal tourner. C'est parti, on va voir ça. Let's go! Yandere Simulator. Stop! On s'arrête parce qu'il y a une petite nouveauté ici, c'est la police du jeu qui a changé. Avant, c'était un petit peu Futura Medium partout. Maintenant, c'est une nouvelle police, donc écoutez, ça fait du neuf. Moi, j'aimais bien l'ancienne, mais écoutez, OSEF RESUM GAME! Lundi. Let's go to the school. Alors, dans cette mise à jour, il n'y a pas énormément de nouveautés, mais il y a cette nouveauté-là, les pranks, qui mérite une vidéo. C'est obligé, ça mérite une vidéo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'impossibilité maintenant, comme on a fait récemment dans une vidéo, d'échapper à une prise de catch d'un groupe de 4. Normalement, si tu tues quelqu'un devant 4 personnes, elle te saute dessus et t'es mort de toute manière. Tu peux pas fuir comme moi j'aimais bien faire. On va tester ça direct. Vas-y, je vais tuer Yui là. Bon, là il y a Senpai carrément. Ok, il préfère rentrer dans Yunaina au sens propre, mais littéral. On est sur une vidéo de type moins de 18 ans, ne quittez pas. Ok, bon, ils m'ont vu avec un couteau. Allez, on va tuer celui-là. Normalement. Oh! Break it down, man! Je peux avoir ma prise de 4 à 4, s'il vous plaît? Non, ça suffit là. Et à chaque fois, il y a quelqu'un d'autre qui va me mettre au sol. Après, ce sera la prof. Qu'est-ce qui se passe? Je veux me faire mettre au sol par 4 personnes. Je suis comme ça. On va booster la force au cas où il y aurait un fou qui essaierait de faire le fou. Tiens, non, non, non. Il veut faire le fou encore. Lui. Ah mais putain, il me saoule! C'est assez ouf, Boudo, il est casse-couille! Vas-y, c'est lui que je vais tuer. Putain, j'avais rien contre lui, mais là, il me saoule de ouf! Tiens! Non, mais tu vas pas continuer à reprendre les trucs, voilà, tiens! Ferme ta gueule, toi, t'es pas forte! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? D'où? 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 Il y a même pas eu le QTE! D'où? Non, mais là, c'est fou! Je peux pas avoir mon truc! Bon, on va attendre que les 5 membres du club occulte soient dans le club occulte et on va essayer de faire un meurtre devant les 4. Les choses ne vont plus! Allez, venez! Ok, maintenant je vais prendre le couteau à rituel, voilà, j'en profite. On attend que les 4 soient dans le champ de vision et... Hop! Est-ce que vous me sautez dessus? Voilà, je n'ai pas pu fuir et ils m'ont mis au sol. Je n'ai pas pu bouger, en fait, je ne peux tout simplement plus courir. Les manettes sont bloquées. Voilà, c'est tellement chiant que je ne vais pas vous le refaire. On passe à la nouveauté suivante, les pranks. Donc allez, c'est parti, c'est tout con cette nouveauté, c'est tout simplement. On peut mettre maintenant des seaux d'eau au-dessus des portes pour set trap, faire des pièges. Donc par contre, le truc un peu chiant maintenant, mais qui finalement est totalement réaliste, sauf si on est un singe, c'est qu'on ne peut plus ouvrir des portes avec un seau dans les mains. Il faut maintenant poser le seau, ouvrir la porte, reprendre le seau, et là on peut passer. Sinon, même quand c'est ouvert, on ne peut pas la fermer, on peut préparer un piège, et c'est ce qu'on va faire, parce que cette porte, justement, elle va être utilisée par les succubes et Oka. Je rappelle qu'il va bientôt y avoir un truc sur le monde des succubes, ça fait un petit moment que j'en parle, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, les succubes et Oka vont l'emprunter pour rejoindre Midori, qui elle s'est téléportée ici. Donc c'est parti, hop, set trap, et voilà. Vous voyez que la porte n'est pas totalement fermée, que le seau est en haut, donc c'est assez marrant, on va tester ça, on va voir ce qui se passe quand une des trois filles va ouvrir la porte et se le bouffer sur la gueule. Inkyu va l'ouvrir en premier, puis je pense que j'aurai pas le temps d'en refaire un le temps qu'Oka arrive, donc on va voir ce qui se passe. Allez Inkyu. Rien, rien, rien. Attention, 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 et... Oh. Mon piège a échoué. Ah bah oui. Forcément, il n'y a que Kokona qui peut être mouillé. Les autres, ça ne marche pas, hein, tout simplement. Il suffit de tester en faisant ça. Voilà, il ne se passe rien. Donc il faut faire en sorte, ça va être le but de cette vidéo, que Kokona se prenne un seau d'eau en mode prank. Ayano va prank Kokona. Pour ça, à mon avis, il faut les lunettes de Tug. Voilà. It's just a prank, bro. Donc voyons voir. Où es-tu, Coconut? Alors, j'ai déjà trouvé. On est lundi. Que l'on voit grâce à ce magnifique HUD dont la police a été changée. Ça veut dire que d'ici exactement 19 minutes, allô, allô, non, je ne suis pas une pute, bon, quand même, un tout petit peu. Normalement, elle court en ligne droite de son groupe d'amis à la porte d'entrée. Sauf que cette fois-ci, on va refermer ces deux portes pour pouvoir la forcer à l'ouvrir et à se bouffer, bam, tac. Voilà, on a carrément tordu les portes dans l'autre sens. Et voilà, le piège est préparé. C'est super beau vu comme ça, putain. Donc le piège est mis, et bien mis. On a juste à attendre que Kokona ouvre cette porte et se bouffe la prank dans la gueule. Et cette image pourrait faire une belle miniature de vidéo si je ne faisais pas déjà différemment pour les mises à jour et les mods. Bref. Non.
Oh le con! Alors nous sommes 10 minutes plus tard, je me hais. En fait, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de faire Alt pour revenir en vue normale, eh ben j'ai fait la touche d'à côté, la touche Windows. Et la touche Windows, quand tu es sur un jeu en full screen et que tu es en train de l'enregistrer avec Fraps, ça fait un retour bureau. Fraps comprend pas ce qui se passe parce qu'il est en train de filmer et il pète un câble. En tout cas, moi c'est ce que ça me fait à chaque fois, c'est-à-dire que ça crache totalement et ça met 10 minutes à revenir à la normale. Je voulais pas éteindre mon ordi de force parce que j'avais mon son qui était pas enregistré, je pouvais même pas arrêter l'enregistrement. J'avais mon fichier Fraps, je savais pas s'il allait être corrompu ou non. Au final, il a été sauvé, donc ça va. J'ai préféré attendre 10 minutes, le temps que l'ordi se calme un petit peu. Bref, on recommence tout simplement ce qu'on a fait. C'est parti, on monte sur le toit, on prend le seau, on le remplit, on redescend, on pose le piège. Et on attend simplement 7h45 que Cocona arrive et se bouffe la prank. Est-ce qu'on peut y arriver? Merde! Alors attention mesdames et messieurs, il est 45. Je vois toujours Cocona dans l'entrebâillement de la porte. Elle est partie. Elle va se bouffer la prank. Attention. Oh! Ça marche trop bien. Du coup, elle ne va pas prendre son coup de fil. On l'a sauvée quelque part. On va la suivre. Voir ce qu'elle fait, parce que vous savez qu'avant, elle buguait. Si on la mouillait pendant qu'il y avait cette histoire de coup de fil, elle allait répondre au téléphone en se mettant un peu le truc comme ça. Je pense que ses problèmes sont réglés. Du coup, on va la suivre, voir ce qui se passe. Elle n'a pas répondu au téléphone. Elle se dirige plutôt prendre une douche pour enlever toute cette eau. Elle pourrait directement se sécher. Mais c'est pas grave, c'est Cocona. Coconut. Voilà, à poil Cocona. Elle prend son bain, carrément, même pas une douche. Hein. Elle a trop le time, cette fille. Elle se rhabille. Est-ce qu'elle va prendre son coup de fil maintenant, du coup? Non, elle préfère monter à l'étage, car c'est l'heure des cours, bientôt. Cette jeune fille est très assidue. Et elle sort son téléphone là, et elle va lui répondre par SMS. Bon ben voilà, écoutez, c'était une mise à jour bien sympathique. Une mise à jour très drôlatique. J'espère qu'elle vous a plu, c'est que n'hésitez pas à laisser un like, et dans tous les cas, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! C'était ridicule. Plus jamais je ne refais ça.